Thomas Dutronc a enflammé le public du Festival de Ramatuel samedi 4 août et récolté une belle moisson de coussins rouges après un très bon concert entre jazz et chanson, humour, rythme et émotion. Vous connaissiez Ramatuel avant de venir être invité ? Je suis venu jouer au Festival de Jazz de Ramatuel. J'accompagnais la guitare rythmique Birelli Lagraigne il y a 10 ans. Donc voilà, je me rappelle de Jazz à Ramatuel. C'était la tournée Gypsy Project, le retour de Birelli à la musique de Django Reinhardt. Et ce soir-là, il avait eu envie de jouer sur guitare électrique. Et c'était sympa. Pour votre premier et votre deuxième album, il y a presque 4 ans, on va recevoir Laurent Voulzy dans quelques jours. Est-ce que vous visez un rythme à la Voulzy ? Non, en fait, nous, c'est qu'on a... La première tournée a été très longue en fait, elle a duré 4 ans aussi, c'est pour ça, enfin 3 ans et demi. On était déjà sur les routes quand le succès est arrivé, donc du coup on a été rebooké dans les salles plus grosses l'année d'après, etc. Donc ça a été très long et après j'ai pris 6 mois de... En fait j'ai mis un an et demi si vous voulez, véritablement, parce que j'ai pris 6 mois de vacances et après j'ai travaillé l'album pendant un an. Donc j'ai mis un an à faire le disque, sauf que la tournée a été très longue quoi. Donc, mais il a bien raison, il faut prendre son temps. Allons, je mettais tout le monde à l'eau. Idiot, j'étais plein d'idiots. Allons, je tombais trop vite accro. Je m'embarquais dans tous les bateaux. Quand votre tournée passe par des endroits comme Ramatuel, alors bon, c'est pas la Corse, mais c'est pas mal quand même. Est-ce que vous trouvez un petit peu de temps pour vous ennuyer quand même? Ben non, là c'est le boulot, hein, que ce soit la Belgique ou Ramatuel, même combat, on est là pour faire un bon concert et travailler. Mais c'est sûr que c'est agréable d'avoir le beau temps. Bon, là on va bronzer pendant la balance par contre, là, on a le cagnard. Non mais c'est sympa, ouais c'est bien. Ben, c'est... Après bon, entre le 1er et le 15 août, hein, c'est le sud et la Corse c'est pareil, il y a des touristes partout, ils sont dans les bouchons, les gens ils viennent l'été pour se remettre dans les embouteillages. Je trouve partir dans la montagne en Corse ou loin, là où il n'y a personne. Au café en terrasse. Je suis bien, je regarde la vie qui passe. Vous avez tâté du cinéma, ici on est dans un festival de théâtre. Ça vous tenterait aussi cette expérience ? Tout dépend du projet, on peut jurer de rien, a priori non, parce que moi a priori c'est plutôt la guitare et la musique mon truc, et les chansons, mais on peut jamais dire jamais, parce qu'il suffit d'une rencontre, d'un coup de cœur entre des gens, et un projet qui se monte d'un seul coup, qui est enthousiasmant, mais a priori comme ça non, mais sait-on jamais. Thank you.